Eh bien, salut tout le monde, c'est Mandotti, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, je crois, 28 de notre Let's Play sur Hyrule, The Legend of Zelda Breath of the Wild et pas Hyrule Warrior. Alors, aujourd'hui, on va encore faire quelques sanctuaires, et donc, rappelez-vous, à un moment donné du Let's Play, j'avais dit, oh, mais ici, il va falloir qu'on batte quelques boss et tout, et qu'on amène des orbes à cet endroit-là. Alors on va lire la stèle au cas où ça nous déclenche une quête, bien sûr. Et donc en fait, vous avez quatre socles à cet endroit-là de la map. Hein. Je remonte si vous voulez. On est à cet endroit-là, voilà. Et alors attendez, normalement j'ai d'autres. Ouais. Et en fait, vous allez aller en direction d'à peu près où le socle montre. Donc là, c'est en bas. Et on va avoir un boss à battre. Et on va et une fois qu'on l'aura battu, il nous donnera une orbe à monter Sers-toi de ma rage, mon dieu. en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais battre les boss en accéléré et vous allez me voir faire tout simplement. Donc c'est tous des inox, hein. Voilà. Allez, à de suite. Eh bien, re, hein, pour vous, moi je suis le lendemain du montage. En fait, non, je viens de faire le montage, mais le lendemain de quand j'ai tourné la vidéo. Donc, je vais rapprocher un petit peu le micro de moi, voilà. Donc voilà, hein, pour cette quête, on va devoir battre 3 inox de couleurs différentes. Donc bon, là, on vient de battre le premier et on pose la première sphère. Et vous constaterez, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais les dalles, on va dire ça, les dalles, on va dire ça, c'est bien comme ça. Et ben, sont en direction de là où se trouvent les inox. Donc là, on vient de finir de battre le inox bleu. Donc quand vous avez la colère d'Orbossa, c'est plutôt rapide, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire avec la colère d'Orbossa, mais après un Inox c'est pas non plus très compliqué, c'est juste que ça aurait mis un petit peu plus de temps. Donc là il y a quelques ennemis qui m'en kikinent et j'ai pas envie qu'ils viennent m'embêter. Vous allez voir. Là je tue cet ennemi parce que je n'avais pas cette arme en photo, donc j'en profite pour la prendre. Tout simplement. Alors j'ai l'impression que c'est un peu faible au niveau du son, je rapproche encore. Donc là on attaque le Inox noir. Aîné qui avait écrit. Bon apparemment je l'avais déjà en photo. Et je crois que c'est l'Inox le plus fort et le plus résistant de tous les Inox. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un Inox supérieur. Enfin il y a un Inox squelette. Eh bien, voilà. Bon, à mon avis, vous aurez une petite voix off de ma part qui dirait les boss qu'on a battus. Bon, c'était des inox de différentes couleurs, du coup, hein, je pensais qu'ils étaient tous de la même. Mais vous voyez, si vous avez la colère d'Orbossa, tout va très très vite. Donc, à mon avis, ce sanctuaire, il n'y a rien dedans. Voilà, enfin, comment dire? Allez. Quand je dis rien dedans, je veux dire par là que il n'y a pas d'énigme, voilà. Donc, c'est notre 102e sanctuaire. Donc, on a vraiment bientôt fini de faire tous les sanctuaires. Ouais, bon, va falloir qu'on la prenne quand même, l'épée. Alors, c'est une épée de foudre. Bon, on va jeter celle-ci, on va prendre celle-là. Hein, elle est plus puissante, du coup. Ouais, 32. L'autre, elle faisait pas 32. Est-ce que j'étais en photo? Oui, bien sûr. Allez! Alors, on récupère l'emblème du triomphe et ensuite on se téléporte à un autre endroit. Voilà. Bon, c'est facile pour le coup. Enfin, après, pour le stade où on est, c'est normal. Allez, à de suite. Eh bien, alors on se retrouve au village des limites. C'était là où on s'était quitté, je crois, dans le dernier épisode. Donc, on va, maintenant que j'ai 3000 rubis. On va parler à ces messieurs qui devraient être par là normalement. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont partis se coucher. Donc on va les faire jusqu'au matin. Ah merde, on est déjà le matin. Eh bien, re, je suis deg parce que pour un des sanctuaires, j'avais besoin d'une lune de sang et durant ma nuit, il y en a eu une. Oh là, je suis vraiment dégoûté. Bon, on va lui payer ses 3000 rubis. Et bon, ben, ce sanctuaire avec la lune de sang, ben, je verrai comment je peux faire. Ah, ça m'embête ça. Du coup, le maître de bonheur. Oui, mais du coup, maintenant que je t'ai donné l'argent, qu'est-ce qu'il te faut? Je comprends pas. C'est toi? Tu fais quoi? Ouais. Quoi? Pourquoi? La mutation. Merveilleux. Oui, tu vas aller. Ça a l'air bien. Bonne chance. Ah, il va s'en aller.
Yes, c'est ce que je voulais. Il s'en va. Bon. Je dis pas trop pourquoi, mais voilà. Vous. Une affaire pleine d'essor. Ouais. C'est quoi, quoi? Mais tu demandes beaucoup trop de rubis, toi, là. Maître du bonheur. Alors, attends. Coucou. Construire un truc. Un râtelier. Pour une arme, pour un arc, pour un bouclier. Non, non, non. Attendez, on va faire. Construire un truc. Un truc pour dehors. Ouais. Une plaque. Sans rubis. Oui. Allez, on va s'occuper un peu de ça. Nickel. Ça a coûté beaucoup de rubis cette quête-là, hein, je vous le dis. Mais bon, au moins on le fait, on n'aura plus à le faire. Oh là. Waouh. Mais waouh. Et normalement, ils ont construit une pancarte pour 100 rubis. Elle est là. Regardez. Hop là, une petite pancarte qui dit chez Link. Voilà, comme ça vous avez compris. Construire un truc. Un truc pour dehors. Un parterre de fleurs. 100 rubis, je les ai. Voilà. Au moins, ce sera 100 moins à faire. Donc voilà. On va en avoir besoin de beaucoup de rubis. Mais vous savez quoi? Avant de faire quoi que ce soit avec les rubis, on va faire un autre truc. Donc on attend leur cinéma là. Qui est un peu bizarre d'ailleurs. Oh là, on a un parterre fleuri. C'est beau, c'est beau. Nickel. Ouais, bon, j'ai rien d'autre maintenant. Allez. Donc, on va aller. Alors attendez, normalement pas loin d'ici, je crois qu'il y a une grande fée. Donc on va y aller. Ah ouais, c'est bien là, hein? Ouais. Ok, bon, je vais trouver une grande fée qui est par là. Je vous dis à de suite. Eh bien, re, on y est. Allez, on va parler à cette grande fée. Oh, métissée, j'avais oublié. Alors, est-ce que... Oui, Eulé, moi j'aimerais améliorer ceci. Ah bah, s'il te plaît. Ouais. Nickel, alors on va passer la cinématique où elle nous fait un gros bisou sa mère. Voilà. Il est niveau 3. Je crois pas qu'il y ait un quatrième niveau. Enfin peut-être, j'en sais rien. On va améliorer ceci. Voilà. S'il te plaît. Nickel. Mais il y a un truc qui m'intrigue là. Est-ce que... Si, oui, s'il te plaît. Ça, il est amélioré à combien? Que un seul? Oh là, mais on va aller là... Moi, je l'améliorerai peut-être en off et je vous le montrerai en début d'un épisode. Comme ça, on améliore encore notre tenue. Et ça, c'est cool. Alors, voilà. Et je te dis à bientôt, madame. Merci beaucoup. Bye. Ok, bon. Alors, on va mettre ceci. Donc, on a une tenue qui est beaucoup plus résistante. Et maintenant, ah oui, donc ça, du coup, je ne peux pas. On va aller au point bleu ici. Donc, je vous fais un accéléré. À de suite. Eh bien, re, voilà. Alors, là-dessus, il me semble, de mémoire, qu'il faut qu'on y dépose une pierre bleue. Il disait quelque chose genre ça. C'est bien ça? Non. Attendez, je vais lire alors. Toi qui es en quête de force, offre à l'obscurité la lumière. La luisante pierre bleue. La luisante pierre bleue. C'est pas ça? Je me demande si c'est pas plutôt ça. Ouais, j'en sais rien. J'en sais trop rien. Tiens. Offre à la lumière la luisante pierre bleue. Est-ce qu'il faut que j'attende que le soleil vienne ici?
Qu'est-ce que ça m'offre, ça? Du silex. C'est censé m'aider, je suppose, ouais, ça me... Ah, des gemnox. Ah, c'est vrai, les gemnox, ça brille. Ça brille la nuit. Et ça devient en vert bleu. Ouais, une sorte de bleu, bleu fluorescent, un peu verdâtre. C'est une couleur bien particulière d'ailleurs. Parce que justement, cette couleur en particulier, elle a une notion, les gens, ils arrivent pas trop à savoir si c'est du bleu ou du vert. Et j'avais un t-shirt qui était cette couleur-là, et moi, à chaque fois, je disais, je la vois bleue, une sorte de bleu cyan un peu particulière. Et les autres, ils me disaient, non, elle est verte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils savent pas vraiment. Enfin, c'est la science qui dit ça. Bon, ceci dit, on a une énigme. Waouh. Bon, alors déjà, ça commence bien. Ok, on va exploser ça. Parce que là... Ok. Alors, je vais essayer d'être attentif. Oh là, salut. Alors, attendez, ça pue le coffre derrière. Ah, voilà. Voilà. Oh, j'ai de la... j'entends la neige qui tombe. Ok, 100 rubis, ça c'est cool. Alors... Oh non. Je pensais arriver à temps... Sérieux? Allez, grimpe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Ah, j'ai capté. J'ai capté. Alors, il va falloir faire ceci, cela. Hein? Mais comment tu veux faire? Attendez. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Ou alors, il va falloir que je prenne ceci. Et on va tenter un truc, mais... attendez. Non! Purée. Allez. Dernière chance, et après, je vais vous le faire en ellipse. Hop. Nickel. Yes, j'ai réussi. Bon, je m'en suis pris plein la gueule. Mais j'ai réussi. Oh là. De toute façon, c'est pas grave, on récupère un autre vie après. Regardez la bombe, on sait jamais. Donc. Très bien. Quelle est l'énigme ici? Alors attendez, je me gratte un coup. C'est le même truc? D'accord. Bon, toi. Ok, je fais ça. Et je fais ça. Yes, ça marche. C'est un peu du gros n'importe quoi, mais ça marche. Bon, ici, on n'a pas vu de coffre, en tout cas. Donc maintenant, il reste ici. Alors, comment ça se passe ici? Est-ce que au moins on a... Ah, mais il n'y avait qu'un seul coffre, on les a tous eus déjà. Oh. Déjà, on a un truc en moins à s'inquiéter. Ah, ce truc-là fonctionne. Ok. Alors, attendez. On va prendre ça. Allez, pose-toi. Et à mon avis... Ah, d'accord, j'ai capté. J'ai capté. Alors, attendez. J'aurais pu le faire là, mais on va attendre. Allez, boum! Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, les enfoirés. Ah là. Attendez, vous croyez que ça passe si je fais... Non, ça passe pas. Nickel. Enfin, pas du tout, du coup. Allez, déjà, on va casser ça, là. Voilà. Vas-y. Hop. Voilà. Déjà, pour commencer, on fait ça. Là, je vais y mettre ça. Et ça. Hop. Les deux. Ah non, le carré, il est déjà là-haut. Alors attendez. On va devoir faire ça. Nickel. Et maintenant avec le rond. Nickel. Voilà. Bon. Ce fut un peu timing. Hein, c'est du tempo, mais en vrai, ça va. C'est pas trop compliqué non plus. Hein. Sanctuaire qu'on aurait pu faire depuis longtemps, finalement. Voilà. Bref. Bon, vous avez une ellipse à un nouvel endroit. Hein. Eh bien, revoyez-vous, il y a des boules de neige ici. Et en fait, avec ces boules de neige, on va devoir arriver à les disposer à des endroits bien précis pour qu'elles tombent, vous voyez. Et
Et alors attendez, parce que on va prendre ceci. Et vous allez voir, là, elle roule, elle roule, elle roule. Et elle va devoir atterrir à la porte qui est tout en bas, que vous voyez. Et donc, ah ben elle s'est cassée. Et voilà, et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, on va tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Moi, je vais essayer de le faire. Donc, vous avez compris le principe, hein, voilà. Donc, je vous fais une ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. Voili, voilou, à de suite, mesdames, messieurs, et bon courage à vous si vous aussi vous essayez celui-ci. Voilà. Allez, à de suite. Eh bien, re. J'ai réussi. Ah là, c'est cool ça. Mais il y a un autre endroit où il y a un truc comme ça à faire. Ça, j'en suis sûr. Parce que là, de mémoire, dans une des d'entre elles, il y a. Enfin bon, bref. on prend celui-ci et on y va. Voilà. Je sais pas s'il y a une quête à faire dedans. Il y a une quête à faire dedans. Très bien. Alors, hop, voilà. Ah ouais. Non, mais par contre, frérot, tu te calmes. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un. D'accord. Alors déjà là, il y a un coffre. Ah d'accord. Bon. Nickel. C'est pas bien compliqué pour le moment. On va récupérer ce coffre qu'il contient. J'ignore ce qu'il contient. Oh, il y a une flèche. Oh, bon, on va la récupérer, c'est la nôtre. Yes, un diamant brut. Est-ce que il y a d'autres coffres? Non, on a eu tous les coffres de ce niveau. C'est cool. Alors attendez, je vais juste m'équiper. Parce que du coup, après, ouais, après on va essayer de faire l'autre sanctuaire. Mais avant, je ferai la pause d'enregistrement. Ah ouais, d'accord. Bon, alors là, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de faire ça. Et de couper les deux cordes. Voilà. Et là, ça devrait aller. Logiquement. Voilà. Et on va reprendre l'appareil photo. Et là, c'est nickel. Voilà. Comme ça, ben c'est fait. Il n'y aurait pas des flèches. Ah si, attendez. Il y en a une là. Et l'autre, elle est où? Il n'y a pas l'autre flèche? Non. Ça se trouve, elle atterrit sur le toit. Je suis niqué. Bref, allez. On y va. Et du coup, on va se téléporter au niveau du grand oiseau là. Vous savez, du temple du grand oiseau là. De cette créature divine. Et ensuite, je vous fais une ellipse. Voilà. Enfin, vous allez vous téléporter là et vous allez à un point que je vais vous présenter. Donc, regardez. Vous allez vous téléporter ici et vous irez au point rose. Voilà. Allez, à de suite. Eh bien, rappelez-vous, on avait déclenché une quête qui nous demandait d'aller voir un gamin qui était ici. Même que je me rappelle que la quête, j'avais déclenché en off et je vous l'avais filmée. Donc, le secret des sœurs de pierre. Alors, le secret des sœurs de pierre, je vais lire et je vous dis à de suite. Eh bien, donc, je viens de lire et en grosso merdo, il va falloir retrouver un petit peu toutes les sœurs. Donc, on va parler à la maman qui va me donner 50 rubis, c'est cool ça. Et du coup, bon, ça. On a fini, mais il va falloir qu'on retrouve les sœurs. Mais avant toute chose, on va passer la journée pour qu'il fasse jour. Enfin, salut toi. L'oiseau qui vole, ouais. Toi, c'est bon, on avait déjà réglé ton truc. Alors attendez. Il est là, le feu de camp. Très bien. J'aimerais aller jusqu'au matin. Voilà. Très bien, donc maintenant on va lui parler. Smière, hein? Alors attendez, parce que faut qu'on. Si on m'apportait un saumon munière. Ouais, elle veut un saumon. Mais alors attendez, parce qu'il faut dire à toutes ses sœurs d'aller la rejoindre. Et je sais que il y en a un peu de partout de ses sœurs. Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai tout un tas de. Oh, ça va m'énerver. Bon, attendez. Attendez, toi déjà, je vais te parler. Je peux régler ta quête.
Il y a un problème, voilà. On a réglé une quête. Normalement, c'est bon. Voilà. Du coup, si je descends. Attendez, attendez, attendez. On doit retrouver les sœurs. Et elle, on va lui reparler. Je vais savoir ce qu'elle veut exactement. Voilà. Eh bien, re, alors, pour faire le plat qu'elle désire, je suis allé vérifier sur internet, mais j'ai tous les ingrédients adéquats. Il faut tout ceci, les mettre à cuisiner. Et normalement, ça devrait marcher. Saumon meunière max. Bonjour. Un saumon meunière, mais. Qu'est-ce que. Oui. Tiens. Voilà, prends-le. Et normalement, c'est bon. Voilà. Miam miam. Très bien. Alors, on a déjà une partie de la quête qui est faite. Et je sais qu'il reste normalement un dernier piaf quelque part. Alors attendez, on va la chercher. Le dernier. Alors attendez, il me semble que si je grimpe comme ça, on devrait l'apercevoir ici, exactement. Elle, ou Ellie. Non, elle. Ellie, je sais pas, non, elle. Retour. Sœur de pierre. Moi j'ai déjà fait ma part, alors je répète ici en attendant. Oh, ça y est, tu as apporté un. Ça alors, t'es drôle, c'est vraiment rapide. Bon, je vais rejoindre les autres. Très bien. On a fini avec les sœurs? Est-ce qu'on a fini? Ah non, attendez, attendez, attendez. De mémoire, il y en a une qui se trame par là, là. De mémoire. Parce que le saumon meunière, là, il est. Ouais, il a été dévoré, de toute façon. Voilà. Bonjour. Un saumon max? Oui, mais on a déjà tout prévu. Voilà. Tiens, oh là. On va récupérer. Un de ces poissons, voilà. Tu le veux? Tiens. Ça m'a l'air d'être bon là normalement, hein. Je sais pas. On va se téléporter ici et on va voir ce qui se passe. Je viens de redéclencher une quête, mais je ne trouve pas ce qu'il faut faire donc. Oh si, regardez. Bonjour toi. Voilà. Normalement t'es prévenu. Voilà. Voilà. On a parlé à tous les gamins. Il y en avait un que j'avais zappé. Bon. C'est bon. On peut aller parler à tous. Enfin, on peut retourner là-bas. Mais avant toute chose, vu que je viens de redéclencher une quête, je me demande si, par le plus grand des hasards. La nana qui doit se situer par ici. Attendez, un peu plus haut encore? Oui, toi. Là, 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 là. Une lune de miel, pas de problème. Ouais, elle m'a donné 5 euros. Enfin, 5 rubis. Bon, d'accord. Bon, ça m'a pas plus aidé que cela, finalement. Bon. On verra, de toute façon, toutes ces quêtes à l'avenir. C'est cool, c'est cool. Bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, re. Voilà. On va leur parler. Alors. Bleu, violet, vert. Rouge. Et jaune. Alors, 3, 5. Attendez, ça fait. Ah non, ça fait 4, 5, 3, 1, 2, 4, 1, 4. 4, 5, 3, 1, 2. Alors, 4. Ouais, ça c'est le bleu. Donc, 5. Ouais, 3. 1, qui est juste là. Et deux. Ça a pas marché. J'ai dû me louper.
Alors attendez. 4, 5, 3, 1 et 2. Ouais, il y en a un que j'ai dû mal viser en fait. Et voilà. C'est bon. Alors bon, je me demande juste si cette quête n'est pas ne complète pas je veux dire le sanctuaire. J'espère ne pas devoir faire une quête par-dessus ce sanctuaire parce que c'est un peu pénible. Encore que là, je m'en suis beaucoup mieux sorti que la première fois, parce que je me souviens que c'est un peu la galère. Oh, salut. Voilà. Ils vont croire que c'est eux qui ont réussi ça. C'est incroyable. Du coup, ils vont être ravis. Bon. Bon. Allez, j'aimerais récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du sanctuaire, s'il vous plaît. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bon. À la prochaine. Ouais, vous êtes mignonne. Bon. On fait la course. Première arrivée. D'accord. Prêt, feu, partez. T'as prévenu personne. Là, elles vont te vénérer, hein. Elles vont te casser la gueule quand te... Oh! Tu veux, toi, tu vas gagner. Toi, je te promets, tu vas gagner. c'est mignon. Oh, le soleil, là, il a fait... Non, je suis pas d'accord. Du coup, on va reprendre ça. Et on y va enfin dans ce sanctuaire. C'est parti. Et on entre. Et après ce sanctuaire, on retournera au château. Mais vous allez voir. Du coup, la voix du vent... Ah, drôle. Vous êtes drôle. Ça veut dire qu'il va falloir que... Eh, ça va l'échelle là? C'est là qu'il y a un coffre tout en bas. Eh ben pardi l'échelle. Elle nous apprécie pas trop l'échelle. Hein. Allez. Eh ben, c'est bien amusé, hein. Voilà. Ça fait quoi ça? Ok. Heureusement que j'ai un peu des réflexes. Donc. Très bien. Alors, je vois un coffre là-bas. Et qu'est-ce que je vois? Donc, il faut aller là-bas. Très bien. Qu'y a-t-il? Je vois deux coffres. Déjà, c'est ça l'avantage de ce genre de terrain. C'est qu'on peut voir au loin. Donc, mais ça se trouve, on m'en cache, vous voyez? Hop! Pardi! Ça va que je sais me rattraper, hein? Bon, on arrive ici, on récupère ce coffre. Est-ce qu'il y en aurait d'autres par hasard? Donc toi tu contiens la clé. Mais j'ai vu qu'il y en avait un autre là-bas. Je vais pas me faire avoir. Oula, là faut lâcher. Salut. Alors, comment on va au coffre qui est juste ici? Ah ben. Ah d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu contiens? J'espère pas une arme. Si, bon, très bien. Une arme de feu. Une épée de 24. Oh là, vite, récupère ça. Voilà. Oh bah elle est bien celle-là aussi. Est-ce que je t'ai déjà pris en photo toi? Bien sûr, je suis sûr, je le dis à chaque fois. Alors, on plane, nickel. Et là je pense qu'on a eu tous les coffres. Hein. Ouais, c'est bon. Bah ça va, le sanctuaire n'est pas non plus des masses compliquées. C'est pas non plus, voilà. J'avais un peu peur, c'est vrai, en voyant la chute qu'on nous a faite là, mais bon, c'est plutôt une belle arrivée. Un peu traître quand même, hein, si on n'appuie pas sur la touche au bon moment, on peut se faire avoir facilement. Bon, qu'importe. On récupère l'emblème du triomphe et ensuite on va se retrouver derrière le château. Enfin, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir un accéléré. Allez, à de suite. Et bien re donc, vous voyez, je me retrouve à peu près par là.
Et vous devez regarder au nord de la carte et normalement au nord un peu à gauche. Il y a une entrée donc on va y aller. Là nous on est derrière pile poil. Donc, oh attendez, celui-là je l'ai pas. Salut! Hop! Voilà, bon, il a rien pu faire. Attendez, parce que pas loin d'ici, il me semble qu'il y a quelque chose aussi. Bon, bref. Pour l'instant, je vais avancer, c'est tout. Alors, bon, je me retournerai si je pense que c'est nécessaire. Genre, voilà, ça l'était. Je vais me retourner encore une fois. Oh, une toute petite esquive. Toute petite, hein. Bon, alors, par ici, il y a une entrée. Est-ce que c'est celle-ci par hasard? J'ai l'impression. Oui, c'est celle-ci. Nickel. Alors, on va utiliser ça. Hop. Et on va avancer. Et normalement. Bon, alors, toi, couché, voilà. Normalement, tout au bout du couloir, on devrait avoir une sorte de boss. Alors attendez, je vais même m'équiper de ça. Bon, on va les laisser, hein. Salut. Salut toi. Toi, voilà. Je sais pas trop s'il y avait une réelle utilité. Et quand on va arriver par là, déjà il y a un coffre ici, donc je vais pas cracher dessus. Nickel. Et normalement par là, voilà, ça on l'a déjà pris en photo. Et en fait, vous voyez, je ne peux pas m'échapper et je vais devoir me battre contre ce boss, tout simplement. Oh là, il a esquivé. Salut. Nickel. Bon. Alors, on va le taper. On va lui faire du Vanaboris, voilà. Oh, il m'a touché. Allez, hop, 3, 2, 1, et vrai, bam! Voilà, et là, on n'a plus qu'à taper les l'œil. Et c'est bon. C'est pas un ennemi bien compliqué, hein, vous constaterez. Et là, un coffre est apparu. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais, Mantotti, quel est ce coffre que t'es venu chercher exprès au château? Si t'es venu le chercher, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais bien sûr qu'il y a une bonne raison à ce que j'aille le chercher. C'est tout simplement le bouclier Ilia. Et on va l'utiliser. Sachez que moi, dans ma partie, je ne l'utilise jamais. Mais là, étant donné que c'est pour le let's play, on va l'utiliser. Mais vous inquiétez pas, s'il se brise, il y aura moyen qu'on puisse le récupérer. Et autre chose, je pense. Pourquoi t'es comme ça? Ah, tu t'es pris la foudre. D'accord. Je disais donc, je pense que quand je jouerai en off pour les Korogu ou quoi, je n'utiliserai pas. Oh bah, il prend feu lui. Je n'utiliserai pas ce bouclier là. Voilà. Alors, on récupère tout ça. 80 de protection en plus. On t'a déjà toi? Ouais. Attendez, on va le prendre. Hein. Non? Ok. Bon. Bon. Alors, l'autre chose que je voulais faire du coup, parce que là du coup je disais n'importe quoi pendant quelques secondes. L'autre chose que je veux faire. Alors attendez. Mais Link? Bah il a fait n'importe quoi. Allez, regrimpe. Et arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Voilà. On va se mettre par là. On va même faire ça, vous savez quoi? Alors on va utiliser le vol de ce monsieur. Et normalement, alors, où est-ce qu'on se situe? Ah bah génial, il pleut. Ah, attendez, y a rien là, hein, qui puisse m'embêter? Non. Alors je suis où sur la carte? Je suis là. Ah oui, on n'est pas très loin. Bah, vous allez avoir un petit accéléré, il y a quelque chose que je vais récupérer et ensuite normalement avec vous j'aurai fini sur le château. Moi tout ce que j'aurai à faire au château c'est récupérer des Korogu. Mais après ensemble on aura fini. Donc, ouais mais voilà. Il y a une grande tour quelque part, je crois que c'est celle-ci. Non. On est. C'est celle-là.
Il va falloir qu'on s'y rende. Donc, vous avez un accéléré avec, s'il faut, des ellipses. Ah bah cool, attendez. On a un truc qui va nous avantager. C'est ça. Voilà. Hop. Et là, on va grimper. Voilà. Hop. Nickel. Donc ça nous a aidé. Allez, grimpe. Voilà. Je vais remettre ma tenue et à partir de là, vous allez avoir des ellipses et des accélérés. Allez, à de suite. Eh bien, re, là, il y a le souvenir et je vais me taire, mesdames, messieurs. Comme c'est grisant. Nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Je ne m'y soustrai pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Eh bien, bon, quel souvenir vénère hein, du roi d'Hyrule. Alors, on va juste sortir de là. Alors, sortir. Et du coup, moi, ce que je vais faire, mesdames, messieurs, c'est que je vais m'arrêter de filmer, etc. Mais pour le sanctuaire qu'il reste, je vais filmer quand je pourrai le faire parce que je dois attendre un événement. Hein, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, donc pour ceux qui ont été attentifs, vous savez quel événement. Et donc, vous me verrez faire le sanctuaire. Je ferai une voix off pour en parler, tout simplement.
Voilà, je ferai pas du commentary directement. Donc, vous allez, j'ai mis un pointo, vous allez ici, tout simplement. Et donc, jusqu'à attendre le prochain événement. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Le commentaire me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir si mon contenu vous plaît, etc. etc. Sur ce, moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde. Bon, alors, on se retrouve au niveau de la lune de sang. Et tout à l'heure, j'ai pas pu finir ma phrase sur les inox. Je disais que les inox squelettes étaient plus forts. Donc, quand vous êtes en lune de sang, vous allez ici et vous mettez Awalp avec Link et vous ferez apparaître le sanctuaire. C'est pas un truc bien compliqué et je vais essayer cette fois-ci de pas me faire avoir au niveau du temps parce que j'ai pas regardé tout à l'heure et je me suis fait un petit peu avoir. Donc, on fait apparaître le sanctuaire tout simplement. Très prochainement, là, vous allez avoir une micro-ellipse tout simplement parce que je vais me rééquiper, etc. du bouclier et tout le tralala. Donc, on va entrer dans le sanctuaire et vous allez voir un accéléré du sanctuaire tout simplement parce que c'est pas quelque chose de oufissime, c'est une épreuve moyenne de force, je crois. Donc, bon, hein, voilà, c'est rien de très compliqué, défoncer l'ennemi. Je vais même tellement me faire avoir que voilà, hein, je me fais toucher, mais j'en ai un peu rien à faire. Voilà, donc on récupère ce que l'ennemi nous loot. Dans le coffre, il y avait une épée de glace. J'ai jeté deux épées parce que j'en avais trois de glace et je voulais garder celle-ci, donc j'en ai jeté une autre. On récupère l'emblème du triomphe et cette fois-ci, je vous laisse à l'outro. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde!